DJ Stéphane. Bala Mwangi. Congo ya Lumumba, Congo. La fachi beton. Tangwe koki yo yo yo. Tangwango yango yo ye koki. Yolanda kango. Papa Stéphane, Bala Mwangi. Oh yeah, yeah. Voilà, trop c'est trop, les autorités doivent agir par rapport à la situation actuelle et surtout l'évolution sur base de la sécurité, si vous me le permettez de dire, sur la question de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo, parce que nous comprenons certaines décisions, il y a Moranabiso comme Zomalibanda, hein? Certaines décisions, il y a Moranabiso et comme Zomalibanda, au lieu que les autorités en place puissent décider, soit allons du côté de la Russie, aller du côté du BRICS, aller du côté de la Chine, aller du côté du Japon, mais toutes les décisions majeures du pays se prennent du côté des Occidentaux, France, Belgique, Allemagne, Grande-Bretagne, et certaines décisions aussi majeures se prennent du côté des États-Unis d'Amérique, du côté de l'oncle Sam. Alors, écoutez ceci. Nous allons faire des révélations tout au long de cette émission avec des actualités politiques vraiment très dangereuses si on ne prend pas cette question avec beaucoup d'attention. Alors aujourd'hui, on nous dit ceci. Les États-Unis d'Amérique donnent l'ordre à la force de la SADC de quitter les sols congolais. Est-ce qu'elle encore Bandela? Les États-Unis d'Amérique donnent l'ordre à la force de la SADC de quitter les sols congolais parce que la République démocratique du Congo, opposée au Rwanda, est en trêve humanitaire à 15 jours et c'est les Occidentaux et les Américains qui ont la question en main pour essayer d'installer un climat de paix. Mais la partie rwandaise et la partie congolaise, présentement, tout ça, au Lobaboye, baza au niveau ya Ouganda. Il y a une médiation où Ezali Kozala dirigé par Kaguta Yoweri Museveni. Le président de l'Ouganda, Museveni, yende Azali Lokola, le parrain. C'est lui qui est comme Nelson Mandela à l'époque de Kabila, de Moussa Kabila et Mobutu. Alors aujourd'hui, pendant la trêve humanitaire, les Américains ont fait une mission na Museveni, à Sangisa Tshisekedi, à Sangisana Kagame. Botala Sikoyo. Museveni a Sangisa Tshisekedi a Sangisana Kagame. La fin du match, qui va gagner? Est-ce c'est Tshisekedi ou bien c'est Kagame? Parce que nous connaissons déjà les parrains aujourd'hui de Kagame, c'est Museveni. C'est Museveni qui a fait en sorte que Kagame soit à la tête du Rwanda. C'est Museveni qui est même le papa politique, le papa militaire. Et Nyonso Kagame a kosala a ekola yango pa Museveni. Alors aujourd'hui les Américains, Joe Biden, oh le bikuto kozala pe, c'est un bénéfice pour nous. Joe Biden a publié et a dit cela. Il est le candidat pour les comptes des démocrates du côté États-Unis. Et du côté des républicains, c'est Donald Trump. Mais hier dimanche, il y avait une publication. Il y a Ndeko Joe Biden à Kolobake. A Kozala Lissou sous candidat dans l'élection OESA dans le mois d'octobre, novembre, était aux États-Unis. Donc il se retire. Le démocrate, il faut pas le candidat na bango mosusu. Voilà maintenant le mal est commis bénéfice de notre côté. Parce que Joe Biden était un scandale par rapport au conflit Kinshasa et Kigali. Comme à Komo Kende, c'est déjà un avantage pour nous. Le Bela Makambangwa, parce que Kampala, il y a un dialogue et à Kosala Makuna, il y a la partie de Kagame Eza représenté. Il y a une partie aussi de l'EAC Eza représenté la communauté des pays de l'Afrique de l'Est. Tomoni, une délégation à M23, une délégation des Congolais représentée par un abbé catholique Baala. Il est de PDDRCS. C'est lui qui représente la République démocratique du Congo. Togolo Belango Mingi. Et aussi certaines informations et révélations sur les efforts fournis par les Oazalendo et les FARDC dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et à la fin, nous allons chiter avec les conditions de vie dans bah, différentes prisons de la République démocratique du Congo. Le
conditions de vie. Nous allons prendre et nous allons voir aussi la prison de Makala, les images à l'appui. Et nous allons prendre la prison de Ekafela, la prison de Manono et la prison aussi de Mbanzangungu, certaines prisons avec des images à l'appui. Tokomekako, traiter cette question. Nous vous demandons de nous suivre du début à la fin parce que Boza Bato, Bosa la Kabiso confiance. C'est très important. Alors, moi c'est Jésus Ankolé, Tango Koki RDC, la deuxième édition du jour. Nambi pona biso ndeko marabobola motei monene na ba kelasi ya likolo ba université au Congo et plus précisément à Kinshasa, professeur de son état. Il est aussi chef de travaux quelque part, il est enseignant aux différentes institutions universitaires à Kinshasa. Yene Toro Yambalelo a kolobela biso na casquette moko d'un expert aux questions politiques et sécuritaires a komeka ko sala ba révélation ndeko marabobola mboté. Mbote Jésus Ankolé na pesi mbote et pas la bande ko ba kolanda na linga ki pesi ko permettre parce que ezali etando na yo na pesa mbote na ngai bongo et pas na DG Mudimu Tshisekedi wa ezali ko sala preuve ya bato bazali vraiment ko accepter ko s'approprier na vision chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na tête ya fond pour la promotion industrielle ou des industries. Alors, Lelo Oyoyo, il a été même primé, il a été réussi. DG Bertin Mudimu Tshisekedi. Voilà, c'est quelqu'un qui travaille, c'est parmi les DG Sokiba, DG Nyon, ce bazala, qui n'engue à Kouloutou Berdin, Mudimu, en tout cas, il n'y a pas de malam. Donc, Lelo Oyoyo, Bandeko, bazali, il y a un projet, il y a une industrie, il y a un développé, il y a un bandako salamakamos, parce que le développement, c'est aussi l'aspect industriel. La Chine s'est développée par rapport à l'industrie. L'Europe, l'Occident, les États-Unis, même le Brésil. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de développement sans penser par les industries ou l'industrialisation, la politique industrielle de notre pays. Alors, il faut aussi qu'il y ait quelqu'un des intelligences ou à s'approprier la vision chef de l'État sur le plan industriel. Alors, des alliés quand même quelque chose de bien. Le loyo FPI et la Tirob Yassika, le loyo FPI a commis qu'on paie sa mbongo et pas na baimboka, ba bazali na ba projet industriel ya ko kende liboso. Na pesi mbote na ngabe pas na grande terre nangai, madame mami ou à zana kami, c'est vraiment parmi le meilleur protocole. Na matanga ya président Charles Bofassa, azala ki on a vraiment, azala ki elengi vraiment mingi. Très bien, alors prenons le premier dossier Nande Komar Abobola, la trêve humanitaire, la deuxième phase, la prorogation il y a 15 jours, acceptée encore par le gouvernement congolais. Là, c'est une question d'État et photo sur Bande Konabiso. Bah aussi qu'on ma trêve il y a mi-balé, il y a 15 jours, et Bandaki vendredi le 19, Toroko Manayango Tikino, le 5 août, une deuxième trêve aussi là. Alors, la 4, il y a deuxième trêve Oyo, la particularité, Zali, il faut bah rapprocher les deux parties au bazar, Nabokozang, Saboyokani. Alors, bah, j'ai parti à République démocratique du Congo, bah, j'ai peine à partir à Rwanda. Alors, et si Kaba Vandeline et Bonga Pona Rosolo là, et Zana Kampala, capitale à Ouganda, Moutazali ko solisa Congo na Rwanda o azana katikati ezali Yoweri Museveni azali accompagné na médiateur ya kala ya Nairobi kombo na ye Uhuru Kenyatta. Donc c'est ça, merci beaucoup. Alors Marabobola, la question est celle de savoir est-ce que ba assise o ya Kampala ça promet un bon fruit pour un climat de paix na partie est de la République démocratique du Congo. Je pense que Nazala vraiment honnête vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis il y a situation sécurité aux Akoule Kanambo Kanabiso et vis-à-vis y a bah intérêt au la République démocratique du Congo Azali Bongo qu'on présentait par rapport y a bah partenaire naïe par rapport y a Mboka Kanabiso par rapport y a Nyon Sotozanango. Je crois que nous n'aurions pas vraiment un intérêt de bon dans ma Kamboisa Akoule Kananivo y a Kampala Pambate balobaka yango que soki na bah processus dans ma domaine sécurité ce que moni déjà première étape et ça déjà brûlé deuxième étape et gozana moi récite ya malamouté troisième étape gozana malamouté. Pourquoi je suis en train de dire ça? Parce que les gens vont dire que comment je suis des leaders pèse, comment nous soutenons la vision du chef de l'État, mais tous ali ko kenete ko pèse sa chance dans ma négociation ou ezali ko kené ko leka. Pas matin parce que ce qu'on a l'intérêt aux République démocratique du Congo, azali ko présenté par rapport à la chaîne internationale, c'est la scène internationale, et au tali intérêt, il y a un pays membre, au bazali, au niveau de la sous-région, au niveau de la communauté internationale, au ko comprendre vraiment que tous ali na intérêt mon côté il y a kokende ko s'éclipser par rapport il y a un processus où ils allient à paix. C'est vrai que non tout acteur politique
tout acteur ou tout régime, tout système politique, azaka na besoin ya kondima, ba négociation ya kondima, ba échange pour na koluka kopé sa kimia, là où les militaires ou alors là où les armes n'ont pas pu donner la solution. Mais pourquoi je dis ça, Jésus en collé? Lelo oyo okota la partie congolaise na biso ezar représenté nanani. Okota la partie rwandaise ezar représenté nanani. Et vous allez voir que la personne azali ko sa médiation, d'abord c'est celui qu'on appelle le parrain politique et spirituel même du président de la République, l'ancien président Kenya, le président Uhuru Kenyatta. Ça veut dire que aujourd'hui, vous regardez la politique où ils allaient à Kenya, la politique du Kenya par rapport à la situation sécuritaire, à la situation de la sécurité et de la stabilisation dans la sous-région. Vous comprendrez avec moi que Jésus en collé, les Kenyans partagent la même vision avec les Rwanda. Les Kenyans partagent la même vision avec l'Ouganda. Et les Kenyans partagent la même vision avec certains membres pays de la communauté internationale qui sont au sein notamment de la sous-région et qui partagent également les intérêts par rapport aux différentes organisations. Dans le sens nini. Tout ce qu'on a mis collé le président William Ruto a aussi qu'on critiquait par propos du chef de l'État. Disons que le président Tshisekedi Azali na andima ki yango que le M23 bazali bongo ko bazali ba étranger té. Les M23 ce ne sont pas des Rwandais, ce sont des Congolais bazali qui réclamaient droit na bango. Et il est dirait que il disait que c'est le président Tshisekedi qui avait tenu de tels propos. Je crois que zala qui avant que ba soulèvement et salama bongo na mboka na ye. Je crois que zala qui tango akenda ki na Kenya au monani na aux États-Unis na Washington, il a été accueilli par le président Joe Biden. Tout le monde a pris ma photo et ça a fait un peu de polémique. Que pourquoi le président Tshisekedi jusque là, azo kende pe na États-Unis te pa yamba yen nenge bazako yamba bato msus. Mais les gens oublient que pour que ba yamba yo na un autre chef d'État dans un autre pays, ils allaient la procédure. Il faut que ça peut-être demande, vu peut-être l'urgence et tout. Alors, le président Tshisekedi a qui préoccupé dans Makambo ya Est. Maintenant, dossier où ils allaient en négociation, voilà pourquoi c'est par là je disais que la présence de Uhuru Kenyatta risquerait ya ko empiéter ba intérêt à République démocratique du Congo pambate azali pe en même temps pareil politique ya Tshisekedi et na Vital Kamerhe parce que na mboka na yende ba sala ki cash tango to witi na Genève to échouer makambo ya Genève to yoya na niveau ya Nairobi. Maintenant soko tali Uhuru Kenyatta a cause la départager ko départager na ye cause la par rapport il y a situation, il y a intérêt à mboka na ye ou qu'on n'a pas préservé ou n'a ni président William Ruto ou yé mouta pesye pouvoir. Ça veut dire qu'à Rolingate Ruto a échoué parce que yé mouta a tiké lié Bokunzi. Alors de l'autre côté, à ce moment, on a le président Tshisekedi ou a Zali Bongo parmi ses fils politiques ou yo a yé kokota makambouana. Maintenant, de l'autre côté, le réseau coupé sa kobanga ma besom ou Zali Nijezi en collé et Zali que nous voyons la présence de l'Ouganda. L'Ouganda au niveau de l'Afrique de l'Afrique centrale, ça veut dire que l'Ouganda dans la sous-région et représente aussi un danger aussi pour la République démocratique du Congo. Pambate, Balobaka, la main qui donne, c'est la main qui dirige. Et la main qui dirige reçoit les injonctions de la main qui donne. Le Rwanda est en train de soutenir par qui? Le Rwanda a été soutenu notamment par certains pays membres de la communauté internationale. On a aujourd'hui un niveau international. Mais à nouveau, il y a sous-région. Tous appelés na bamboka oyo bazali ko soutenir Rwanda notamment tous Uganda et sur aux Kenya aux Uganda ce sont les pays frères, ce sont les pays sœurs au bas des nations sœurs pardon au bazali ko représenter bazako partager ba intérêt moko. Alors au moment là que le président Uhuru Kenyatta a causé la départager parce que Kenya en terme ya ba causé la membre ya ba organisation l'EAC au biso to utai causé na kati les Kenya azali membre. Le Rwanda azali membre et puis aux Uganda azali membre. Tous ala kana EAC bien tobima. Non na tobima te. Na tobima te parce que la RDC participe toujours au dialogue, aux réunions, aux Non. Depuis une participation participative. Depuis que nous avons constaté que le EAC faisait partie azala qui est le terme approprié, c'est quoi que le président Mbosso utilisait, je vais par citer ici, c'était la complicité
les EAC, les membres, les militaires, les chefs d'état-major, il y a organisation, il y a bah, différentes, comment on appelle ça, bah, différentes armées, il y a 4, il y a une complicité dans bah, M23. Pambate, bango olie ba ya ba bundisa ba M23 nenge zaki défini na mission ya EAC bango ba sala ki yangote ba komi na terrain eza lokolo la Jésus en kolé obala ndeko na biso ya Équateur tango yo ke na Gemena okomi kuna okomi ko solana ba beau frère na yo obosani ke oyaki peut-être mission mongobo et c'est ça que les militaires ya EAC bande ko sala et dans ce sens to suspenda ki présence na biso et puis participation na biso na ba réunion na bango et donc en sens ça veut dire que les intérêts de la République démocratique du Congo par rapport il y a négociation na ba dialogue oyoyo ba anticiper yango et ko zalapuma eloko ya malamu te et intérêt ya mboka na biso e ko bima kuna te. Alors pourquoi e ko bima te? Parce que présence ya Uhuru Kenyatta ndenge na lobby ezali présence moko kozala départager akutala d'un autre d'un côté azali Kenya oyoyo atike Uhuru Kenyatta Uhuru Kenyatta pardon Bokonji et puis de l'autre côté yena zali pareil politique ya Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo na Vital Kamerhe tango to uti na Genève to yoko ya bongo na niveau ya Nairobi mais de l'autre côté intérêt mususu ko bimate ezali nini parce que les liens choisis ezali esika ya malamu te pona ko kende ko sala négociation wana ko kutana na ba représentant ya M23 na ya Rwanda et puis na bande ko mususu pambate Uganda azali ko soutenir de manière discrète de manière un peu officieuse le militaire au bazali na niveau ya M23 voilà pourquoi biso na ngambo ya République démocratique du Congo nous qui sommes des leaders PES biso tout monde vraiment que en toute honnêteté les chefs de l'État c'est vrai tokoyi ko kende ko kota la négociation mais nous devons le dire tout haut les intérêts de la République démocratique du Congo ne seront pas préservés par rapport à la négociation là et aussi encore c'est la troisième fois que tout que dans ma négociation nous avons échoué dans le niveau à Nairobi et nous avons échoué dans le niveau il y a Luanda et maintenant c'est la troisième fois est-ce qu'il n'y aura pas la quatrième fois alors Ndekoma Rabobola on nous pose la question de savoir qu'est-ce qui est aujourd'hui à la base de l'incompréhension pourquoi la République démocratique du Congo continue à se soumettre. Pourquoi la République démocratique du Congo continue à se soumettre aveuglément aux injonctions des Américains? Est-ce c'est une incompétence? Est-ce une peur au niveau de nos autorités? Parce qu'on dit toutes les injonctions des Américains, des Occidentaux, nous, la République démocratique du Congo, nous encaissons, nous acceptons. Pendant que nous acceptons ces injonctions aveuglément, ça nous cause des pertes et ça nous cause beaucoup de préjudices. Aujourd'hui, nous allons vers Kampala. Faites-nous un peu un tableau pour et un tableau contre. Kampala va apporter quoi au finish? Parce que ce sont des pourparlers qui prendront 5 jours. Ça va nous apporter effectivement quoi pendant cette période de trêve? Et du côté de différentes bases, là où se trouve de Wazalendo, là où se trouve des M23, il y a toujours des affrontements qui continuent pendant qu'il y a des pourparlers, des négociations au niveau de Kampala. Oui, des affrontements continuent et c'est ce que nous souhaitons. Et c'est ce que nous avons toujours dit, que la trêve qui nous est imposée, parfois de manière aussi nuitamment, par les États-Unis, ne devait pas être acceptée par le gouvernement congolais. Pourquoi? Parce que c'est une façon d'affaiblir l'avancement ou alors les avancées, la montée en puissance de notre armée congolaise. Et c'est aussi une façon de pouvoir ouvrir un boulevard aux militaires, notamment de M23, qui sont soutenus par l'armée rwandaise et par les régimes de M. Kagame. Mais la cause, notamment des injonctions que les États-Unis nous imposent, mais lorsque vous allez interroger l'histoire, vous allez comprendre que la République démocratique du Congo a été toujours orpheline, a été toujours absente lorsqu'il y a des grandes négociations par rapport à la situation de notre pays. Je vous donnerai la date de 1885, je vous donnerai la date même avant qu'il y ait la conférence internationale, la conférence de Berlin, où les Occidentaux, les Européens, les multinationaux, notamment de l'Occident, avaient décidé de se rencontrer, de parler par rapport aux questions des ressources des bassins du Congo sans qu'il y ait des Congolais. Tout à l'heure, je crois qu'avant même la mort, il y a président Idriss Déby, ou il y a Zala qui a niveau, il y a Tchad,
il avait dit que les Congolais ne veulent ou pas, nous allons prendre les eaux de la rivière de Lubangi. Et il y a eu une rencontre à niveau de Tchad sans qu'il y ait des Congolais. Ça veut dire que les alibas conséquences, il y a biloko, oh, il y a tout à l'heure vivre en haut, par rapport à l'histoire en Abisso. Au total, arrivé, il y a Léopold D. Namo Kanabiso, il n'y a eu aucun Congolais qui a été informé et saisi. Azaki tenu informé. Au retard arrivé à David Livingstone, au retard arrivé à Batouana. Ça veut dire que le Congo a été toujours absent par rapport à la négociation, il y a Makambo et Taliminene. Mais Lelo Oyo, le col la chef de l'État, Azali Koluka Kobunda, Yako Kende, côté de la politique, wana, parce que je vais parachever ici, Mouzé l'avait dit, que si nous voulons que nous puissions avoir la paix, nous devons aller en amont. Combattre les résolutions de tout le, toutes les discussions qui ont été opérées par rapport à la situation à Mokalabiso avant que nous puissions accéder au pays. Et je vais encore le dire, Étienne Tshisekedi wa Mulumba, alobaki en ok, c'est vrai que nous acceptons la démocratie, mais accepter la démocratie et se soumettre à l'injonction des alliés occidentaux, à ba pays des États-Unis et à Mabiso, nulle part. Et les lois, ils allaient comme on a Makamouza Kolikana, à niveau de Nairobi. Alors, d'un côté, quand on dit ma injonction, il y a États-Unis, moi je crois que Tobangaka, Tozonga, na formule où ils allaient qui a Mouzé. Parce que Mouzé a Boyaka, qu'on collaborer, qu'on coopérer dans les occidentaux, et puis à Boyaka, qu'on collaborer dans les américains. Mais vous savez, les conséquences qu'il y a eu après les refis, il y a Mouzé, il y a Solana Batouana. Et Mobutu, pendant qu'il a géré le pays pendant 32 ans, où il a fait à règne, il y a Mobutu, ce qui est arrivé, Mobutu a été abandonné, Mobutu n'a pas été encore dans la table de négociation pour appuyer lorsqu'il y a eu l'entrée de l'AFDEL. Ça veut dire que c'est la politique des États-Unis où il y a eu divisé pour mieux régner. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les États-Unis azali koluka? Premièrement, les États-Unis azali koluka, la montée à puissance il y a économie naie. Les États-Unis azali koluka, domination naie na niveau ya Afrique. Et troisièmement, les États-Unis azali koluka, azala toujours papa ton maman parrain politique ya Rwanda. De l'autre côté, eloko oyo biso tokoyi ko gagner na makambo etali négociation ya nini ya Uganda, ezali premièrement si nous mettons la bonne foi. Si les négociateurs, notamment le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya, mettent la bonne foi, yako lukako silisa, makambo oyeza na est, ba retirer ba troupes na bango, ba retirer armement na bango, oyoyo, ba vendi de manière illicite, de manière illégale, bazako violer principe ya intangibilité, bazako violer principe ya souveraineté, bazako violer principe ya territorial, oyeza li ya mboka na biso, ne eko permettre que qui n'a cessé les faits et puis tout va dans la table mon côté luka moya ko solula pour la coluka solution mais perte au tozo nango ezali d'un côté tozo ali ko yoka ke baki na négociation parce que na bitumba ezala kanini ceux qui deux familles bazako bunda bozako bunda bitumba indi et tout koko et ndongo au moment les ala batumba bagangaka botika peut-être aux aki na position ya ko mama pendali tutu ya ko bambali kofi mais le kolo yoki ke botika aux aki diba au lignon reverb aux yeux loko ya miso okpei ne loko biso toza ko banga par rapport ya négociation aux aki na Uganda. Ça veut dire que d'un côté tozali comment là c'est vrai to négocier parce qu'en démocratie et on doit toujours laisser une fenêtre pour la makambo etali na ma conflit makambo etali négociation parce que c'est cette fenêtre qui va ouvrir un boulevard pour la koluka solution. Mais de l'autre côté, quand on ouvre une fenêtre pour la koluka solution, nous devons aussi repenser, nous devons aussi nous remettre en cause par rapport à bitumaneng ezan intérêt. Il faut savoir que non, lorsque les États-Unis se battaient avec l'Allemagne, avec le Japon pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des négociateurs, il y a eu des rencontres qui se faisaient. Mais les États-Unis n'avaient pas abandonné sa volonté de pouvoir dominer, de pouvoir devenir la puissante mondiale. Les États-Unis continuaient toujours à bombarder. Alors, ici, on nous informe, Ndeko Marabobola, le gouvernement de la République démocratique du Congo dénonce la violation de la trêve humanitaire et le renforcement de la présence de militaires rwandaises. Non, des militaires de l'armée rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo. Le gouvernement de la République démocratique du Congo dénonce la violation de la trêve humanitaire et le renforcement de la présence militaire rwandaise dans la partie est de la République démocratique du Congo. Pendant que Masolezo Salamana Kampala na Uganda, Basengi biso trêve synonyme de cesser les faits de Betasou Mando Kité.
boule na bango eza pandan ke tozo beta mindu kiti. Pandan ke tozo na repo, bango ba koti sarande, ba militaire na bango. Baya ko rejoindre nanga, baya ko rejoindre Wilingoma, baya ko rejoindre bango na Bunagana, na Masisi, na Ruchuru, na Kanyabayonga, na Kirumba. C'est ça la stratégie. Et maintenant, aujourd'hui, tôt ce matin, va annoncer que le gouvernement de la République démocratique du Congo dénonce la violation de la trêve humanitaire, y compris aussi les renforcements de la présence militaire rwandaise dans la partie est de la République démocratique du Congo. Donc, au cours de 15 jours, la trêve humanitaire, c'est d'aveugler l'armée congolaise, les Wazalendo, pour la bâtir un couloir. Bayako équipé encore Wilingoma, Corneille Nanga, ba militaire ba ou ta Rwanda ba kota. Est-ce qu'il faut toujours accepter cet aveuglement américain, biso République démocratique du Congo, un pays autonome? Non, nous sommes un pays autonome, nous sommes un pays indépendant et nous ne pouvons pas remettre en cause les combats que Lumumba, Okito, Baimbo, Bakanza, Noirita, Kipamvita, Kimbangu se sont bâtis, se sont livrés pour que nous puissions avoir cette indépendance. Il y a eu des morts, il y a eu des tueries, il y a eu des massacres. Oui, ça a mis pour toujours l'indépendance. Et les lo oyo, to koki kondimayango, to ki République démocratique du Congo, to banagali susu, kondimaka, makambo, oyo zali a intérêt na bisoté. Makambo etali violation na niveau ya trêve humanitaire. Mais vous savez que le Rwanda, Azali ko saboter yango. Vous savez que le Rwanda azali ko ndima yango te. Vous savez que le Rwanda a un agenda caché. Vous savez que l'adversaire auto azali ko bundana ye azali bongo soutenir d'un côté d'une manière d'une autre par les personnes qui nous imposent parfois aveuglément et nous acceptons ça aussi naïvement sans que toi ba conséquence ba biloko wana et zoume mabiso na makambo malamu te. Lelo oyoyo c'est prouvé noir sur blanc que la République démocratique du Congo est azali orpheline, la République démocratique du Congo azala mutute oyako konté laye. Et c'est dans ce sens que nous en appelons à la conscience des Congolais et des Congolaises. C'est en ce sens que tozali ko singa na ba imboka ba fungola miso totele mela ba dongolo miso oyo bazali ko luka moye ya ko tia biso pilipili na miso pa mate miso na biso kufa ba luka moye ya ko boma miso parce que miso nde ezali bongo epesa ka bomoi miso nde la sa place le kolo ezali ko kende miso nde la sa place ni moto avandi lelo oyo outi koloba le Rwanda azali ko renforcer ba militaire na niveau ya terrain. Ba militaire ba kota. Ba attaquer ba monte pa ba salé no batika ba ngopo dola na cesse le fait non? Mais non, moi je l'ai dit ici. Mais ba le bito beta te. Non, mais toko beta. Ba le bito bombarder te to attaquer. Jésus en collé. Oui. Toko beta te pour quelle finalité? D'un côté ozo kabola bitumba, okangi mutu moko maboko, musu soti kié abanda ko bambola o kangi mama bambata. Non, ça n'a pas de sens. Et c'est ça que les États-Unis za ko sala. La trêve humanitaire devait être imposée et être suivie avec des rigueurs et des sanctions vis-à-vis des pays qui sont en conflit, qui sont en guerre. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo fait une preuve de pouvoir combattre contre certains pays membres de la communauté internationale et certains pays membres, certains multinationales, oyo bazali na niveau, il y a est bazali ko luka ko piller ba ressources na biso. Mais de l'autre côté, le Rwanda azali kotina ba militaire. Tomoni mikolo le kitango kulutu nanga Jean-Pierre Bemba azalaki bon na ministère à défense, il a démontré noir sur blanc sur un tableau comment on montrait les militaires rwandais bazali kokotra mabele ya Congo, comment Rwanda azali kotina ba militaire, comment Rwanda azali kokende koluka moyen ya ko renforcer sur le plan ya homme, sur le plan ya matériel et sur le plan ya ba stratégie, sur le plan même ya ba produit pharmaceutique o ya za ko pesa ba soda na bango na niveau ya terrain. Mais de l'autre côté na yebisa ki ok, ne nous étonnez pas, ne restons pas dans l'étonnement, ne soyons pas surpris, ne soyons pas surpris que Goma est tombé pendant qu'il y a la trêve humanitaire. Et lorsque Goma sera tombé, vous allez voir, les États-Unis sera la première nation pour appeler le président de la République d'aller négocier avec les M23 et avec le Rwanda. Et la finalité de ces négociations sera quoi? Sera l'infiltration. Et lorsque nous allons infiltrer le militaire rwandais,
nous allons violer ce qu'on appelle les principes de la proposition, de la non-intégration et de la non-mixage de ce qui a été fait par le PP Mbosso au niveau de l'Assemblée nationale. Et ça sera une insulte par rapport à la volonté du chef de l'État de pouvoir pacifier l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, vous allez répondre très rapidement à cette question de Komara Bobola. Les États-Unis d'Amérique donnent l'ordre à la force de la SADC de quitter les sols congolais. C'est maintenant aux Américains de décider que mission militaire on défaut en Congo. Mais tout le bas qui a la fois passé, j'ai dit en coulé. Tout le bas qui a eu donc États-Unis le bité, SADC qui était MONUSCO des Alawana. Voilà. Nous en avons dit ça ici. Et je pense que la politique des États-Unis par rapport à la République démocratique du Congo est claire. Comment nous sommes des partenaires? Nous avons une franche collaboration. C'est notre partenaire traditionnel, comme les Français veulent le dire. Mais dans ce partenariat, la République démocratique du Congo gagne quoi? Si ce n'est pas les regrets, nos compatriotes regrettent. D'après chaque jour, bah, émission de nos salaka. Suivez les commentaires, naibi kolandara, bah, commentaires, bah, nekolandara, bazako kolandabi, sonne de salaka, bah, émission. Le peuple reste déterminé par rapport à Koussil Sabitou Mezana Est. Mais tant aux États-Unis, Azako Senga, que le militaire de la SADC ou alors la SADC doivent retirer ses troupes sur le sol congolais, allez-y comprendre que c'est une stratégie pour les États-Unis d'Amérique d'appuyer les Rwandais afin que les Rwandais puissent obtenir la balkanisation et les Américains et certains chefs d'État américains viendront pour pouvoir s'installer et se loger au niveau de la nouvelle république au Bangoba, la république de la colline ou bien la nouvelle république des collines ou Kozala annexée à niveau à Rwanda. Et lorsque les États-Unis Azako Senga et que les troupes de la SADC Bazonga, il faut qu'on tape en profondeur que quel est l'apport notamment de troupes de la SADC par rapport à la situation au Isako le Canada niveau à l'Est République démocratique du Congo. Ça veut dire que les États-Unis auraient compris que la SADC en collaboration, en mutualisation avec les FARDC, avec les Ouazalendo et certains services de sécurité, des renseignements militaires, sont en train d'apporter une solution efficace pour pouvoir bouter dehors l'ennemi qui est le M23 et Messenanga avec le soutien des régimes de Kagame sur le sol congolais. Donc, nous pensons que les États-Unis n'ont pas les prérogatives, il y a qu'obliger, il y a qu'au Senga de manière administrative ou de manière officieuse, les retraits, notamment des troupes de la SADC, parce que la SADC est venue ici avec une mission qui a été les bénéfices, notamment, il y a descente et puis sortie médiatique, il y a chef de l'État, diplomatique surtout, ils allient diplomatie agissant, et agressif, il y a chef de l'État, et Salaki qui est SADC Aya. Pas maté, la fois passée avant que SADC Aya, au Yébi qui est Rwanda, à Kenya Koussa la lobbying, auprès il y a Afrique du Sud, et puis certains membres, certains pays membres de la communauté de développement de l'Afrique australe, ils allient à SADC, pour la Koulukaba, il y a la Congoté. Pourquoi? Parce que bah, ce qui SADC Aya, il aura des avancées et il aura aussi quand même les arrêts pour la situation à l'Est. Mais c'est là qu'à cela les tiennent. Tous amis solo, tous pays en FARDC, tous amis solo, tous pas qui s'allient sur le budget armé, tous pas qui s'allient sur la formation militaire, tous créer service dans le bas qui y a Ouazalendo, tout ça, on a un territoire, on a un coluca, pour appuyer, pour battre la mboka na biso, pas battre la République démocratique du Congo, Azali orpheline, par rapport, il y a un minéraire, tout ça, on a un mboka na biso. Très bien. Très bien. États-Unis d'Amérique, Joe Biden annonce sa non-participation aux élections de cette fin de l'année 2024 parce qu'il y aura élection cette année 2024 aux États-Unis au mois de novembre. Mais Joe Biden, pour les comptes des démocrates, se prononce déjà pour dire qu'il ne sera pas candidat à président de la République. Alors, Neko Marabobola, Joe Biden ne sera pas candidat président de la République pour le compte des démocrates parce que Tomoni, pendant le premier mandat, Yandeko Joe Biden, Tomoni vraiment, les États-Unis n'étaient pas du côté de la République démocratique du Congo. Les démocrates aux États-Unis, Badala qui trop penchés du côté de Rwanda. Alors aujourd'hui, est-ce que le départ, la non-participation Yandeko Joe Biden aux élections américaines, ça peut créer un couloir pour les républicains, le retour de Trump au pouvoir au niveau des États-Unis, ça peut aussi changer la politique, ça peut aussi changer la démarche du côté congolais
pour voir un peu la situation, la question de l'insécurité dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Je vais te faire rire. Tango Babeta qui Donald Trump. Babeta qui mon Massasuana. Je crois que c'est un jeune. Nalitoya. Exactement. Il y a 20 ans, 22 ans. Après ma formation dans Zouaki, je vis quelque part de la même façon que les Canadiens pas d'abisso par rapport à ma élection, situation sécuritaire. N'ayez communiqué, il y a l'ambassade, n'ayez y a canon, les États-Unis d'Amérique restent préoccupés par rapport à la situation de l'Est République démocratique du Congo et demandent aux deux parties de parvenir à une solution. Alors, Namonaki Ndekomoro Bobon, c'est vrai qu'il y a un assassin en comédie, mais j'avais aimé. Il a dit, le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo suit de près la situation de l'insécurité. Continuez, s'il vous plaît. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo reste préoccupé par rapport à la situation d'intolérance qui se passe à la veille des élections qui vont se dérouler aux États-Unis entre les démocrates et les républicains. Et à ces situations, il demande aux deux partis au respect des principes démocratiques et il demande à ce que les élections soient organisées, soient apaisées et soient crédibles. Nathalie Nabi, bon, comme j'ai à ping-pong, donc la RDC commence aussi à donner les injonctions aux États-Unis. Très bien. Donc, c'était un peu ça. Mais je crois que la présence ou alors l'arrivée, notamment des républicains, n'a beaucoup. Je pense qu'à mon humble avis, et avec la politique des républicains vis-à-vis de certaines nations étrangères et de certains pays, au Basali, collaborateurs et aussi. À niveau il y a États-Unis, je crois que ça pourra aussi apporter quand même quelques solutions par rapport à la situation sécuritaire dans l'Est. Pourquoi? Parce que sur Otali, le programme Oezali à Donald Trump, j'ai eu à s'ouvrir ça, je crois que c'est quand même un programme très ambitieux, un programme vraiment républicain qui met avant tout les intérêts des États-Unis d'Amérique. N'amérique qu'autant dans le domaine il y a immigration et qui Donald Trump pense que il aura plus d'immigration au niveau il y a États-Unis et il va construire encore, il va ajouter encore d'autres niveaux. Il y a 1000 où ils allaient entre les États-Unis et puis dans le Mexique. On a qu'on arrêter l'immigration où ils allaient au niveau il y a Mokawana parce que yebi aux États-Unis lorsque vous entrez la sortie babingana abatuté, c'est pas comme d'autres États soit na Europe ou déjà non et ça l'a raté. Mais entrer des arrêts difficiles. Mais j'ai eu aussi à lire la politique économique il y a Donald Trump qui pense que les États-Unis a perdu sa première place économique vis-à-vis de d'autres pays, notamment la Chine qui gagne de plus en plus la première place sur le plan économique. Pambate, les Chinois ont récupéré les terrains que les Européens ont dit abandonner et les Américains. Hier, nous avons eu des partenaires économiques qui étaient des Portugais, qui étaient des Français, des Belges et tout. Aujourd'hui, même dans mon cannabis, il y a un peu de Portugais, au monde de Belges ou les Français. Non, il y a une boutique dans la ville pour l'esthétique. Mais les Chinois, comment ils ont été dans la province? Les Chinois sont partis, sont partout, pardon. Je vis les Chinois. Je vis les Chinois. Ça veut dire que mon wana Isaac Obama Isaac au Kenya États-Unis. Alors, le président américain Joe Biden, excusez-moi, Donald Trump, pense que essayer les États-Unis à emboîter les pas par rapport y a pas trace au Chine à Koluka pour la Koluka pour gagner marché africain pas mater le main d'œuvre en Afrique et ça n'a le moins cher et puis na niveau y a États-Unis alors arrivé y a pas républicain na niveau y a beaucoup de je pense que écoute à la peine avantage d'abuso par rapport à la politique étrangère y a Donald Trump à lobby que ça sera d'abord les Américains. Alors les démocrates pensent que pour pouvoir conserver le pouvoir, il faut le faire avec tous les partenaires et tous les membres au Basali qui appuyer les États-Unis. Voilà pourquoi la plupart des démocrates ont comme la Bokonzi, les Rwanda et M. Kagame Barignaka. Mais lorsque les républicains arrivent, vous voyez que M. Kagame n'arrive pas toujours à comprendre ce qui se passe. Il y a un moment à comme anticiper ma négociation au Isaac le Canada niveau, il y a Ouganda. Peut-être à Ebike. Le cola de Biden a démissionné, a annoncé que nous avons la candidate. Voilà pourquoi ils ont préparé déjà Chitina. Et donc je pense que la diplomatie au Ezali, il y a
y a président Tshisekedi et singele kuba na ko continuer pour la Boluka ndenge ko za solution. Très bien, alors nous allons chiter par ici pour juste 2 ou 3 minutes de Komara Bobola. La question sur les conditions de vie, la viabilité de nos prisons en République démocratique du Congo. On va appeler se focaliser na prison ya Makala et na prison ya Manono. Potomeka Koloba, quelles sont les conditions d'installation na biso ya babolo koza a ozune dolo ozune Makala ozune na ba province na biso ba café la ba Manono kei kuna na ba esika ba luzumu même si biso ba conditions incarcérales eza malamu te. Or on dit une prison c'est un centre de rééducation. Les lo prison na Congo comme loko la lifelo. Les lo prison na Congo et comme le place moko soko kotoko zo maladie ou kozo ba infection. Donc conditions za malamu te. Yango tout monde a mingi zalaka homme politique a koti le lo a beli parce que ba conditions sanitaires na kati zalaka malamu te. Ndeko mara bobolo za moto landeli dossier za moto tali makambo za moto landi ba vidéo sali ba enquête et oyaki pa na biso posa la biso ba révélation. Quelles sont les conditions exactes dans la prison d'Abisso? Bon, d'abord, je tiens vraiment à rendre hommage par rapport à Bandego Nabisso yon sur Bakoufa dans la prison. Parce que sur les statistiques, je dis en collé, chaque année qui passe dans la République démocratique du Congo, taux y a décès, y a prisonniers, et ça l'a tellement élevé. Mais tellement, ils ont une situation vraiment. Je pense que le gouvernement congolais a tiakango vraiment caté. Ils ont les lotes, situation qui date de l'OTAN. Pas de l'OTAN, pardon. Parce que sur l'Otali, historique, où ils allaient à construction de la prison d'Abisso, dans le centre pénitentiaire, on va comprendre qu'il y a quand même à boire et à manger. Pambate, sur le cas dans la prison à Makala, cette prison a été construite pour combien de détenus? Au moment où le nombre où ils allaient qui prévu, il y a autant des allélo. Si je ne me trompe pas, ils allaient qui construisent peut-être pendant moins de 3 000 personnes. Mais le nom sont qui est en prison à Makala, vous allez trouver qu'ils sont de là de 15 000 personnes, 15 000 détenus. Oula. Mais dis-moi, un endroit qui a été construit pour abriter 3 000 personnes, mais qui abrite désormais plus de 15 000 personnes, ces gens-là vivent dans quelles conditions? Et ça, c'est un. D'aider seulement pendant que là, la caca. Parce que ceux qui ont une cellule, ils ont une cellule pour la moutoumoko. Désormais, cette cellule est aux allusions pour la moutoumoko. Et comment pour la batubele? Ça veut dire qu'on est en train de confiner les gens, on est en train de confiner les détenus, les prisonniers. Dédé, alimentation dans le bango, je dis en colé. Et ça, dans l'image, on a un téléphone en aïe. Vraiment, et ça n'a pas si. C'est vrai que nous allons soutenir le chef de l'État. Nous sommes en train de soutenir ces régimes, mais il y a des choses par rapport à la responsabilité qui est définie et puis partagée. Je pense que chaque ministre dans la constitution est stipulé que chaque ministre est chef de département, que le ministre y a justice et garde de sceaux. Constant Moutamba, à l'oukana nos moyens, d'ailleurs, à cela qui déjà processé sur Zala qui a désengorgement, il y a ma prison à Bissot. N'a la joie qui bon contact et pas dans le secrétaire général ou à Zali, à ministère et à justice et garde de Sceaux, tout koutanara naye, tout solaka, à l'époque, n'a kenda qui pon en koulouka koussouana et pon en ma prison et puis ma centre pénitentiaire, ma kasho, oyo yo n'a la monaki na territoire ya Boudjala, et Zala qui a malamouté. Ça veut dire que, soro ke yoko la prison ya Ngenga na Gemina, oko koutake, ba prisonnier baza na ba condition ya bien-être ba prisonnier baza ko zo ba soin ya bien-être ba prisonnier baza ko négliger bango alors que la prison l'hôpital ezali ba place oyoyo ezala ka pona fitiri na biso mais toye ba yango te lelo o Jésus encore toza na domaine politique toza na média okoyi ko mettre point de vue moko qui a dérangé peut-être le régime ba ko ko zo ba bo ki na prison mais ko fana na condition ya nini ça veut dire la prison oyoyo ezala mboka na biso ezala malamu te ezala ba prison mususu Jésus en kole okay okoti otali et pesio passé oyo ki même posa ya kole la ba prisonnier ba konda ba prisonnier ba ranabila mate ba éducation ne ngolo bia ke centre ya éducation ezate alors que na ba mboka mususu moto soka koti prison c'est une occasion atanga c'est une occasion à la formation c'est une occasion à landa ba instruction na kati ya prison il faut ba centre médico ya malonga ezala certainement na kati ya prison il faut même ba centre de formation na ya sur anglais sur informatique alphabétisation nyonso ezala selon des structures internationales il faut ezala pourquoi ba sala ya bongo parce que lorsque la personne a commis détenu ba kangi mutu nous avons comme un raisonnement, moko ya malamu te comme un souci. Alors pendant que longola e ba souci, ba tia ba biloko mususu wana pendant que luka moya ko longola ngo et puis ya ko rédiquer mutu. Na pese exemple, on arrête un kuluna qui a régné pendant 5 ans.
Vous savez le nombre que, de personnes que Kuluna a tuées. Vous savez le nombre de dégâts que ce Kuluna a causé dans la société. Alors, ce qui va même une église et que vous allez moins difficile parce qu'ils ont un problème spirituel, c'est un problème mental. Il ne faut pas me mailler dans la prison. Dans la prison, je vais priver la liberté. Dans la prison, je vais priver ma camobile. Mais pour moi, je vais aider à la situation à bien. Deux mois, je vais aider à la situation. Bon, je vais tout bon. Yo, on va faire ça la ligne. Bon, je vais faire ça la plomberie. Ah, je vais faire ça la plomberie. Yo, je vais faire ça la ligne. Peut-être, je vais faire infirmier ou bien je vais peut-être médecin, tout ça. Il peut toujours prendre ça. Mm. Mais malheureusement, il n'y a pas la vision de l'eau qu'on est à la rater. Mm. Et aujourd'hui, j'en prendrai, il n'y a pas le ministre de la justice et garde de Sceaux, Constant Moutamba, qui dirait que, d'ailleurs, chaque jour, dans notre pays, les prisonniers mangent deux ou trois fois. Mais lorsque le prisonnier mange deux ou trois fois, nous devons regarder la qualité de cet aliment, la qualité de ces repas. Il y a des repas qui ne sont jamais nutritifs. Moto a privé la liberté. Au PCE Pondou na Foufou. Les Foufou et les Pondou, en termes de nutriments, en termes de protéines, ça ne donne absolument rien. Na Katia Manioko, tout ça beaucoup d'amidon. Na Katia Pondou, peut-être moins potassium ou alors, et l'autre va produire, c'est ça na Katia. Mais tant qu'on peut si Moto, Foufou na Pondou, aller à Melimaï, à Tondi, mais à ça l'énergie. Alors, il y a des prisons. Oui, on m'a dit, voilà, nous allons finir par ici. Jésus en coulé. Comment vous allez la tournée, pas parce que vous avez la tournée. Donc, c'est-à-dire, il y a aussi fait sa mission. Et pas un ministre d'État, un ministre de justice, Constant Moutamba. Aïe, la bango, bah, nini, bah, boîte de conserve, on a qui tout quoi. Mais oui, il y a un jus. Il y a un nana. Il y a nana. Il y a orange. Il y a orange. Il y a. Bah, pesa, bah, on va mettre là. Mais oui. Montagati, moutouma 7. Mais oui. D'ailleurs, je vais saluer ma grande sœur, Oyo Azali, dans la CNDH, dans la Commission nationale des droits de l'homme, madame Mami Nemouzou. C'est parmi vraiment des ferventes défenseuses, Oyo Azali, à droits de l'homme. Bango ba kenarati na ba prison, ou kenaro visiter, ba prisonner, ou ta la ba condition, et puis kouye ba boyo ba kangaki opo na nini, yo komia wa nereni et tout. En tout cas, c'est vraiment parmi les défenseuses, y a droits de l'homme, y a mou galabiso, na pe si yembote. Et belepe bazaran de komara bobo la basali inane, basali deux ans. Basali 3 ans, batikala ko sambisa ete, batikala ko yoka ete, mazana kati ya boloko. Mais na osexa yo, la fois passée, ministre à Salaki descente na prison, je devais aussi être là avec lui dans le domaine abiso ya politique. Oyebi atuni ba prisonnier so ba bimaki, atuni ba ngwa lobi, est-ce que bato ba sala viol baza awa andimi, bato mo maboko. Moto nyonso atomoli maboko. Ah, maintenant, est-ce que ba yeba ke ngolo banini? Olobi? Ah. Mais tant on va tout nier, est-ce que bato ba sala crime peut-être non non bato ba sala viol, est-ce que baza ou ba kota prison pour la viol baza ah. Donc il y a bien OK aux gens qui peut-être mineur ne ba kanga kota yé prison, mais curieusement bato nyonso baza ki wana bato mboli maboko. Bon, moi je me suis dit, mais donc ma père nyonso ba kota yé. Voilà, on va finir par là. Merci beaucoup Marabobola. On finit parce qu'on parle de prison en République démocratique du Congo. Mais les services nationaux Oye Kamamaka, na général major JP Kabwik, Azali toujours na safari na Azali kotambo la République démocratique du Congo Mobimba. Awa nous sommes au niveau de Kananga. Il y a eu des écoles et des écoles construites. Tala. Matata pone na kabila bakosaki biso 1000 écoles par année. Mais ici avec service national Moussa la ko sala mama kele les ati. Bazo tonga na Kasai, bazo tonga na Katanga, na Équateur, na Congo central, Kinshasa to lo bakutu te bali ko pesa ba banti na inikin. Ici nous sommes au niveau de Kasai na Kananga. Investigation, reportage, descente sur terrain réalisé par Stéphane Balamwangé. Nous allons suivre ces vidéos et comme ça on va revenir juste après. Le service national dirigé de main de maître par le général-major Jean-Pierre Kasongo Kabwik a construit ensemble avec le bâtisseur ex-Kuluna quatre écoles à Kananga. La première, c'est dans la commune de Nganza. Une grande école avec des normes éducatives bien respectées, dénommée Général Moulamba, un des voyants militaires de notre armée à l'époque de Zaïre. Ce monsieur a été honoré et désormais, à Kotikala, na mémoire ya bana nyonso ou bakotanga na katia école oyo. Na basale nyonso bien respecté,
Baban et consort Makamonyoso Malam. Première école. Deuxième école, c'est dans la commune de Lukonga. Complexe scolaire, grand chef Kalamba. Moko yaba notable, ya Kasai Central, grand chef coutumier, Oyo Asala ba prouesse, pe Oyo Asala histoire naye, ya mounene dans cette province a été honoré, et bana bako banda kotanga toujours dans ba condition, ya malamu mingi. Troisième école, nous sommes dans la commune de Katoka, une grande école, Oyo etongami, na ba condition pe, ya kitoko. Et en mémoire, il y a un père, Oyo Asalamu Salam Alamu, dans cette commune, Nakosungabana, Nakobatelabana, pays service national et honoré. Alors, aujourd'hui, complexe scolaire Saint-Martin, Oboali Komuna, Ezali Pona Bana, Yakasai Central. Quatrième école, nous sommes dans la commune rurale qui dépend totalement du territoire de Kazumba. Précisément à Matamba, une grande école construite par le bâtisseur dans le cadre du service national sous l'instruction du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À Kananga, c'est merveilleux. Tolungwe wana, tokena katwambi, et paywapi, ezana bilanga, à peu près, yamunene pona service national. 250 hectares yabilanga, yamasango, obwali komon, ezana katwambi. Oyo etikali kaka ko récolté pour na koler sabana ya Kasai Central. Bravo na service national na musala ya bilanga ki toko boye o batunyo so ba moni pe ba sepele nango. Tangwe kokio yo yo.